Depuis dimanche, l'attaquant congolais Cédric Bakambu est la cible de nombreuses critiques. En cause, son pénalty manqué en fin de première période contre les Marocains, alors que la RDC était menée 1-0. Sur les réseaux sociaux, une vidéo circule où l'on voit les mains de l'attaquant trembler au moment de poser les ballons sur le point de pénalty, de quoi déclencher une vague de commentaires moqueurs et insultants. Cependant, certains Congolais sont montés au créneau pour soutenir l'ancien attaquant de l'OM, à l'instar d'Eddy Sony qui garde encore de bons souvenirs de Bakagol. Je pense que Zamani, même les grands joueurs du monde ratent aussi des pénaltys. C'est normal. Nous devons soutenir Bakambu et l'encourager. Dans les années antérieures, nous l'appelions Bakagol. Il nous donnait de la joie. Ni football, je peux te comprendre. Football, comme mambo yote na fanchikaka. Il faut une journée. Les Congolais doivent maintenant se focaliser sur l'essentiel. Cédric Bakambu, ça tu sais déjà. Léo, tu n'as même pas osé seulement. Léo, une qualification. Cédric Bakambu nous a déjà aidés. Soutenons les Léopards de la RDC à 100% et la qualification est certaine. Je peux te soutenir Léopard à 100%. Qu'il pleut ou qu'il neige, Léopard est une qualification. Avec 2 points après 2 sorties, les coéquipiers de Gael Kakuta iront chercher la victoire face à la Tanzanie ce mercredi soir pour décrocher un ticket de qualification à 8e de finale. Les Léopards voudront compter sur l'ensemble de l'Armada, dont Cédric Bakambu.